بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. On peut, en résumant, dire que le Coran représente une alliance, un pacte référentiel avec le divin. Et on peut trouver les références normatives pour mener une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc, si on va toucher ce pacte-là par n'importe quel ajout ou quelque chose qui va être retiré, vous savez bien que ça va causer beaucoup de problèmes à toute l'humanité. Parce qu'elle va perdre quelque chose qui est vraiment intact, et Dieu l'a promis, quelque chose d'intact qui a été plus ou moins modifié, plus ou moins défiguré. Et vous sauriez bien que ces fruits, mauvais fruits consécutifs à cette défiguration-là, va atteindre tous les fakalaïn et ce sera une mauvaise fin ici-bas et ce sera de grands tourments là-bas. Je vous invite à bien réfléchir sur ce point-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.